Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Toute l'actualité de l'économie en une semaine et vous commencez aujourd'hui par l'éolien auquel vous vous intéressez parce que le secteur de l'éolien est dans la tourmente. Qu'est-ce qui se passe Alors c'est vrai, l'éolien, le solaire, l'énergie hydraulique hein, constituent la majeure partie de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est un grand acteur du secteur, l'allemand Siemens Energy, rien que ça, filiale du groupe Siemens, qui a avoué avoir des problèmes avec ses éoliennes, notamment l'usure des eaux d'éoliennes, donc au fil du temps, qui pourrait entraîner simplement une érosion et ça pourrait coûter très cher aux fabricants, un milliard de dollars en bourse. Des investisseurs ont vendu donc mmh. ces sociétés d'éoliennes et Siemens a dit à ses investisseurs 15 à 30% de sa flotte pourrait être affectée par ces ah oui. problèmes, qui ont été exposés lors d'un examen et qu'à noter, un comportement vibratoire anormal de certains <laughs> composants. Alors, ce traitement de ces sujets pourrait coûter, bien sûr, un peu plus cher que ce milliard d'euros et la confiance dans cette industrie à du plomb dans l'air, si je puis dire, c'est pas bon pour les pales, bien sûr. Cette industrie avait connu une expansion très rapide hein, au cours des dernières années, On On les en réduisant même les coûts d'exploitation. Côté chiffres, un rapport de l'énergie avait même indiqué que l'éolien et le solaire avaient atteint une part record. Alors. Faut le relativiser, on est loin des énergies fossiles à 82%, mais 12% tout de même, c'était plus que le nucléaire. La tendance restait donc favorable à l'éolien. Et comme quoi, il n'y a pas que dans le nucléaire qu'on a des problèmes industriels. Didier, cette industrie, elle a tout de même connu des années difficiles. Alors, il y a eu, là, bien sûr, la pandémie de Covid-19 avec les confinements, diminution de l'activité industrielle, la réduction de la demande mondiale d'énergie. Alors, dans l'éolien. Il y a eu des restrictions de mouvement aussi, des perturbations de la chaîne logistique, des retards dans la construction de certains projets. Et puis il y a eu des contestations aussi avec bien sûr la guerre en Ukraine, ça n'a pas, pas aidé. Il y a eu des sujets de financement, la hausse des prix des matières premières, l'acier qui a également augmenté le prix des éoliennes c'était plus 40% cette année au cours des deux dernières années selon l'organisme industriel Wind Europe et puis l'exploitation donc l'usure de ces aubes la taille croissante des pales d'éoliennes, qui a augmenté le risque de coups de foudre et de réparation pour l'éolien offshore on a parlé de conditions météorologiques difficiles qui pourrait là aussi entraîner de la corrosion. Euh, Vestas, qui est lui le principal fabricant d'éoliennes, c'est un Espagnol, a signalé des problèmes de qualité avec ses pales d'éoliennes pour sa flotte terrestre déjà en 2020. Ces ennuis dans l'éolien montrent en tout cas que les projets ont été pensés, financés, sans intégrer ces sujets de fiabilité. Vous parliez du nucléaire, cela pose aussi la question de la vraie compétitivité de cette énergie Absolument, renouvelable. Absolument, et elle va continuer à se poser. Passons maintenant à une histoire rocambolesque. Didier, vous voulez nous parler d'une attaque d'entreprise. Ça s'est passé en bourse, de quoi il s'est agi Alors, il s'agit de fonds, ce qu'on appelle les fonds activistes. Ce sont des fonds d'investissement dont la stratégie consiste tout simplement à dénigrer une entreprise oui. pour voir son cours baisser. Jusque là, vous me suivez. Alors, puisque le cours baisse après l'annonce de malversation, par exemple, vous pouvez potentiellement leur acheter à bon pour compte. Hein, pour être concret, pour ceux qui nous écoutent, par exemple, le, une société dénigre, un, une société dont le cours est à 166 euros avec un dossier rendu public, des sujets d'anomalies comptables, des contrats fan, fantômes, l'action vaut peut-être pas plus de 30 euros. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la société SES Imagotax, spécialisée dans les étiquettes électroniques. C'est une PME, comme je les aime, qui a été capable, en quelques années, de se transformer, de grandir, de devenir tout simplement le leader mondial des étiquettes électroniques. Autant dire... Ceux qui font leurs courses en supermarché ont sans doute vu ces étiquettes sans savoir qu'il s'agissait d'une société française. Il y a eu une réaction de SES Simagotac, deux communiqués, qui dément ces accusations avec des éléments précis. Euh, et ça n'a pas empêché le cours de bourse de sombrer hein, de so et de se mettre jusqu'à 70 euros seulement. Ça a perdu 60% lors de cette attaque. Euh, il a également rassuré les investisseurs sur ses activités puisque son deuxième trimestre devrait s'établir sur un record avec une, également une croissance sur le semestre de, historique de son chiffre d'affaires. Mais malgré tout, cette entreprise est dénigrée, c'est donc violent. Est-ce que ce type d'attaque est devenu fréquent Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que ces fonds, principalement américains, connaissent très peu de choses, se sont spécialisés dans ce type d'attaque. Pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers, si ces campagnes dites activistes font fréquemment l'objet d'un retentissement médiatique, elles restent quantitativement peu nombreuses. Euh, il y a quelques années, Solution 30 avait eu affaire à des fonds activistes. Cela lui avait coûté cher. Il n'a pas, à ce jour, retrouvé la confiance des investisseurs, malgré des chiffres en croissance. alors C'est vrai qu'il est plus facile de s'attaquer à des plus petites entreprises. Euh, ce fut le cas pour SOS Imagotac qui a connu des parcours de croissance oui. extraordinaires. Alors, les autorités qui surveillent la Bourse de Paris prônent le maximum de transparence, mais il est vrai aussi que du côté des activistes, GoWex, une société espagnole qui était cotée à la Bourse de Paris, et eh ben, c'est un activiste qui a dit que cette, qu'il avait repéré, cette société était, ne valait rien. Effectivement. Comme quoi, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. On passe au groupe Casino Didier et l'addition va être lourde pour les actionnaires, là encore. Le titre s'est effondré cette semaine après la confirmation par le groupe de distribution, eh bien, que dans le cadre de la restructuration de sa dette, eh bien les actionnaires allaient payer. Il va y avoir des rendez-vous pour le groupe le 3 juillet pour la remise d'offres. Et puis le 27 juillet prochain, où là, le groupe espère trouver un accord avec les, ses principaux, on avait dit Daniel Kretinski, on avait dit Xavier Niel, Mathieu Pigas, tous ceux qui avaient fait des offres. Jean-Charles Nory, 74 ans, qui est à la tête du groupe, qu'il avait acheté avec de la dette, n'aura finalement pas réussi à s'en débarrasser, la boucle est ainsi bouclée. Oui, la boucle est bouclée, vous avez bien dit. Merci beaucoup, Didier Testo. Toutes vos analyses économiques à retrouver sur la chaîne YouTube de la Bourse et la Vite TV à bientôt.